Yo, yo, yo! Salut la gang! Et Cassiope. J'étais pas vite. Je checkais mes affaires, je répondais à plein de monde. vous savez, ma vie est un peu folle. Si tu arrives, fais-moi un beau coucou. Salut Amélie. Amélie, regarde ce que j'ai sorti. Je vais essayer de mettre ça. Ça, c'est Amélie qui a fait ça. Fait que je vais essayer de mettre ça dans ma création. Je les ai retrouvés, il est en haut. Salut Diane! Salut Joanne! Je vous laisse le temps d'arriver. Salut Chantal Schmout. Je vous laisse le temps d'arriver. Puis, dans le fond, je vais faire le défi lime citron ce soir. Ouais, je vais faire le défi lime citron avec Lilindy comme bonsoir. Salut Karine. Donc voilà. Puis, pendant le temps que vous arriviez, là, je vais. Essayez de me choisir ma photo tout de suite, comme ça, ça va être moins long, moins de taponnage pour vous. Puis là, on va faire un fond aquarelle. Salut Vicky! Vicky, c'est drôle, t'es pas là! Diane, je sais pas, je t'ai dit salut, des fois je radote. Faut choisir, je vais faire le défi lime citron, le numéro 5. Faut choisir une photo humoristique, colorée. Enfin, je vais essayer de me trouver quelque chose de beau, qui fitrait. Salut Lorraine. Lorraine, j'ai mis ta colle de côté. Il faut pas, j'oublie hein, qu'on se rencontre hein, pour que je t'envoie ton cadeau aussi que t'avais. Salut Stéphanie. C'est Trusted. Ouais, c'est plate qu'on y voit à moitié la face, lui. Faut que ça soit coloré. Je comprends pas ton affaire. C'est triste. Ah, que t'es pas là. Prends ta face. Ouais, mais je n'ai pas de photo de ma face, Chantal. Les filles voulaient que je prenne une photo de moi qui a un masque d'en face, puis qu'il y en a qui m'ont écrit des obscénités en privé, que ça ressemblait pas d'un masque, mais bien de ce que mon chum pourrait me garrocher d'en face. Fait que c'était un peu dégueulasse. Désolée pour les âmes sensibles. Si je mets Louis-José Houd, c'est assez humoristique. Salut Sylvie, je vais très bien. Salut Joanne. Georges Saint-Pierre, non, ok. Bon, ça va, passons mes niaiseries. Ben non, je vais vous en dire pareil, vous le savez, vous me connaissez. J'ai bu un café, c'est l'heure du souper, fait que... Just for you. Maybe, je vais vous parler en un hibou, c'est humoristique. Des moutons. C'est pas très humoristique, on va trouver quelque chose. Si je fais quelque chose de Noël, c'est très humoristique pour moi, mais c'est une joke plate. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut Isabelle! Donc, pendant que je choisis la photo... Oh, il est beau le Yann, il est très coloré. C'est-tu humoristique ça, Yann? Summer Elder? Ben oui, toi. Moi, je trouve que c'est mon mot. En tout cas, bon, bref, lui qui essaye de se déchirer le gilet. Non. Salut Marie-Claude! En passant, celles qui ont commandé Lindy du fournisseur, c'est arrivé. Fabrica n'est pas arrivé, donc je garde ça précieusement. Par contre, je vais faire une nouvelle commande le 15 juin, maximum 15 juin, 21h. Vous pouvez commander en privé avec moi là, les produits Fabrica Décoru. Peut-être que l'autre ne sera pas arrivé, mais au moins, nous aurons la chance d'en commander d'autres. J'ai pris ça sur Pinterest. Tu sais, Georges Saint-Pierre a fait ça juste for me. Puis, je prends ça sur Pinterest. Puis, c'est ça. Je pourrais prendre mes photos à moi, mais... C'est ça. Je pourrais prendre une photo de mariage. Ça serait très humoristique. Mais bien, non. Bon. C'est sûr que j'ai une photo drôle là-dedans. Là. Drôle pour moi. Ah, voilà. Je veux comme prendre une photo, une grande photo, pas une petite, parce que c'est ça, mais j'aurais peut-être pas le choix. Ça, c'est humoristique ou c'est beau? Je trouve ça beau. Tu sais, ça se fait dessin animé. Ben non. On va trouver. J'ai pas grand chose. Hein? Du vin, ça serait bon.
Ça, mais c'est de l'année passée, fait que tu sais, ça marche pas. On va mettre de côté. Je vais vérifier ce que je vais faire. C'est pas de l'année passée, c'est il y a 2 ans, je pense, pour le tournoi. Il fallait faire une photo de même. Écoute, j'ai la même face. Mais j'ai de l'air comique. Mais je déteste scraper mes faces, fait que ça se peut que ça soit pas ça. Ouais, Cassiopée, elle vous dit bonjour. Elle s'ennuie parce que les deux qu'elle collait le plus sont pas là. Ça fait des années, c'est plus bon. Bon. Ça, c'est mon nom de famille. Bon, salut Brigitte, salut Marjolaine. Donc, je vais trouver... J'hésite entre le petit chat, qui fait une petite face drôle. Yann. Ou c'est ça. Ça, je suis pas sûre. Les moutons non plus. Ça, c'est humoristique, non? C'est le chat, moi, je pense, qui fitterait le plus, hein? Bon. Ou Yann. J'hésite avec le beau Yann. Bon, allons-y, on va voir d'ici ce temps-là. Pas Yann. Hey, il est beau, Yann. Le chat. Yann, il est-tu beau, cet enfant? Bon. OK. Chantal, tu connais mon trouble de position. Non, c'est toi qui en as un. Voilà, alors je prends une feuille comme fond là. Voyons, je prends une feuille aquarelle. Puis là, je me l'ai faite vite. OK, là, je vous donne la réponse. Yann existe encore. L'amour existe encore. Bon, OK. Chantal, Lynn fait dire qu'il faut pas chicaner. Bref, c'est ça. Je vous donne la réponse, là. Ce qui existe depuis 1963, là, c'est les smileys. 1900 quelque chose, en tout cas. Fait qu'il faut que ça soit là-dedans. Fond blanc, on est correct. Photo drôle ou filtre drôle. Fait que c'est sûr que le chat fit plus ou moi. Celle-là fitterait plus qu'elle, mettons. En tout cas, je vais t'y réfléchir. Je sais plus. En tout cas. Hein, ça fait longtemps quand même. Bon, fait que là, je vais prendre une feuille aquarelle. Puis là, il faut faire le sketch. Mais vous savez que moi, si je le fais correct, j'aimerais mieux le sketch ici, faire ma photo. Par contre, si je prends celle-là, je suis mieux ici. Et si je prends le chat, je vais prendre le chat parce que je veux le faire là. Donc, premier, il y en a qui m'ont demandé de faire de quoi avec les Lindy. C'était votre demande spéciale. Je me cherche un crayon de plomb, les amis. Non, ce sera pas moi, ça va être le chat. Et je te dis, cet enfant-là qui est Cindy, gars, ça va être ça, puis ça fit plus. Il est comique, là, il est drôle. Bon, puis Yann, non. Il m'avait dit non, Yann, mais c'est pas Yann. le chat, ça me ressemble, puis c'est pas moi, parce que l'autre, c'était pour un ancien défi, une citron, fait que j'aime moins ça. Fait que là, on va faire les Lindy, puis là, il faut que ça soit des triangles, mais ce que je vais faire au lieu de prendre ma règle, je suis désorganisée. Pas facile avec moi, hein? Je passe la journée à niaiser, moi. Oui, les Lindy. Bon, super. Regardez, je me fais comme un canevas de rayon parce que c'est ça le défi. Ai-je raison? Puis là, on va aller m'amuser à les placer pour faire mon fond. Il n'y en aura peut-être pas assez. Alors, s'il n'y en a pas assez, je vais en faire d'autres. Parce que ce que j'ai vu sur les pages, j'ai trouvé pas assez distancé. Fait que là, moi, je vais faire un peu plus distance, un peu moins distancé que ce que j'ai vu sur les internets. Puis
puis je vais faire ceux-là, puis je vais re-switcher. Fait que là, j'ai pris un crayon de plomb, puis là, je me fais les lignes. Parce qu'on va aller les travailler en aquarelle. Là, il y en a qui m'ont demandé soit les Magical ou les sprays de Lindy, mais on va s'amuser avec les deux pour faire notre fond. Quand on travaille en aquarelle, mais c'est le fun d'avoir du... Seigneur, j'ai bien des gros doigts aujourd'hui. C'est le fun d'avoir du crayon plomb. C'est correct, je ne vous ai pas trop perdu à date. Puis là, ça se peut que j'aime pas ça, là, puis que j'en fasse un autre demain soir. Je parle une autre page parce que la dernière fois que je l'ai faite en live pour les mistrons, j'étais déçue. Ouais. Ça m'arrive, ça, d'être déçue. Oups. Fait que c'est ça. Vous autres, qu'est-ce que vous avez mangé? Dites-moi ça, là. C'est rare que je vous le demande. C'est pas vraiment tout. Dites-moi ça pendant que je fais des lignes. Salut Mélissa! En passant, il me reste 8 cases, donc je n'ai pas pu faire le concours aujourd'hui. Ça va me faire plaisir, par exemple, de le faire bientôt. Qu'est-ce que P vous dit bonjour? Ça va être lent, ce toit-là, de faire des petits carrés. Ça va être laid en plus. Bon, pour les portiquets, ta cause. Bon, désolée, j'ai pris une pause pour répondre vos trucs. Je vous dirai ce que j'ai mangé après, moi. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ça. Vous savez que moi, la patience, ça fait deux. Ben, c'est ça. Bon, voilà. Voilà. Fait que là, le petit chat va être ici. Mais il y en a un autre qui arrive, hein? Je suis pas là pour la colle. Effectivement, mais tu vas m'aider moralement. On va trouver des couleurs. C'est sûr que le but de ce magnifique tuto. Gardez la peste, hein? Cassie, t'es adorable. Bon. Le défi, c'est d'utiliser des couleurs. Alors, je vais essayer de trouver un kit de Magical qui est très coloré. Caribbean Cruise, il est très coloré, fait que ça va fitter avec. Puis, ça, c'est dans les Magical. Puis là, je suis dans une couleur de... Ah, néon graphite aussi, peut fitter. Puis, j'en ai un autre qui est très, très, très coloré. Je vais essayer de trouver... Oui. Non. Ah, il est où? J'arrive. Je fouille dans mes affaires. Hein, c'est... Peut-être celle-là. Diva. Ou. Ouais, ils vont se ressembler, mais il y a du turquoise qu'il n'y a pas dans l'autre. Mais les autres couleurs, moins. Ouais. Je vais essayer d'en prendre un avec du turquoise à la place. Ouais, celui-là, je vais prendre les turquoises et le vert lime. Fait que là, c'est ces trois kits-là, puis après ça, je vais m'amuser avec des sprays. Salut Audrey-Anne qui regarde jamais. Salut Marilyn. Omar, Coller mon auto correct. Même pas ce soir.
Ah, pour coller Cassie. Je comprenais pas ce que tu disais. Bon, fait que là, on va s'amuser à faire le fond, mais avant, je vais utiliser des étampes de fond pour faire de quoi de beau. Fait que là, je vous trouve ça dans la vie. Dans la vie, il faut comme... je vais juste les faire au départ. Je m'en trouve comme deux que j'aime bien, deux, trois. Qui vont être trippants à faire. Puis après ça, on va pouvoir s'amuser avec l'aquarelle. Sinon, le temps que ça sèche, ça va être moins le fun. Fait que là, j'y vais avec ces trois-là. Des étampes de fond, l'imstron. Que j'adore. Je vais y aller avec la Versafine noire. Mais je vais y aller en petite dose. Si j'avais... Ah, je vais peut-être y aller avec celle-là aussi. Elle est quand même assez foncée. Fait que je vais m'amuser. Oh, je vais m'amuser avec les deux archivaliers. Parce que la Versafine noire est très foncée. Fait que là, on sait que je vais m'amuser avec tout ça. C'est quoi les couleurs de kit? Néon Graffiti. Caribbean Cruise. Puis, Industrial Chic, le dernier. Donc là, j'y vais avec le gris pour les plus. Puis là, j'y vais vraiment là en texture. Fait que là, je prends pas de bloc acrylique. Puis, j'y vais dans mon... écoute, c'est super calculé, hein? Vous avez vu? Pas du tout. Puis là, je vais en faire un peu des noirs. Pour mixer les textures. Cassiopée, quand j'arrive avec des niaiseries, elle arrive. Était. Ah oui, bye bye. Bon, voilà. Fait que là, j'ai fait les plus. Je vais refaire la même affaire avec les autres. Salut, Nicole. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'y vais avec des écritures. Là, pourquoi je l'ai fait avant? Je l'ai dit un peu, hein. J'aime mieux... Ah, oh, t'es tannante, putain. J'aime mieux mettre les tempes, puis après ça, on va s'amuser avec les couleurs. Voilà. Écriture, j'en mets-tu un peu noir? Pas trop, par exemple. Parce que le gris est quand même assez foncé. Puis là, je vais m'amuser avec l'autre. Ah, c'est sûr, mais c'est correct. Salut, Gwen! C'est correct si j'ai des empreintes de Cassiopée. Jannick va peut-être me donner des points de plus. Je fais des blagues. Donc, hein, je t'en forme sa texture. J'en mets un peu partout, mais... on s'entend qu'on ne verra plus autant parce que ça sera de l'aquarelle qu'on va s'amuser. Je vais juste me trouver... une coupe de Lindy aussi, là. Là, je prends les Starbucks. Non, ça, c'est un flat, je pense. Non. C'est un Starbucks. Mais on pourrait utiliser les flats ou les Starbucks. Moi, j'aime bien les Starbucks. Mais dans les Magical, il y a des flats aussi. Donc, on va y aller étape par étape pour le faire. Ah, c'est bon, ça. Fait que... Gwen, elle regarde pas, fait qu'on dit salut Gwen. Elle écoute pas. Elle m'entend pas. Et pourtant. Bon, tiens, je n'ai sorti une coupe de couleurs, mais ça se peut que je prenne pas toutes. Ça se peut que je prenne pas toutes. Parce qu'il y a des. Ouais. Ouais, celle-là est belle. Il y a des couleurs que j'aime, puis il y a des couleurs qu'il faut qu'il fitte avec ça. Donc, c'est sûr que je vais y aller, c'est rare, mais je vais commencer avec la orange. Que on va les faire. Donc, comment je fais ça? Je prends un pinceau normal. On pourrait prendre un... Voyons, Seigneur. On pourrait prendre un pinceau un aquapenteur, mais tu sais, pour ça, je vais prendre un gros pinceau. Cassie, t'es en onde, t'as ça? Fait que là, c'est ça que je prends de l'eau normale. Puis là, je vais venir faire mon triangle. En premier. Tu sais, c'est pas grave là, si je dépasse un peu. Mais le but, c'est de faire comme le stencil.
pour faire un effet. Fait que là, en premier, c'est déjà mouillé. Là, je vous montre comment je l'ai fait avec le Magica. Hey, sérieux, t'es tannant, pichounette? Puis, je vais y aller, mais à petite dose. Je pourrais en mettre, mais en mélanger dans de l'eau. On va faire comme les deux. Je cherche juste mon petit... Je pense que je vais le faire avec l'aquapenta, comme ça, ça va être mieux. Je le trouve. Fait que voilà. Là, ce que je vais faire, je vais tremper un petit peu, voyez-vous bien. Salut Louise! Salut Julie! Donc, je veux venir m'amuser dans l'aquarelle. Mais je ne veux pas trop dépasser. Mais là, c'est sûr que ça se peut que je dépasse. Mais c'est comme ça que je vais venir utiliser mon... ma couleur, puis ça fait un effet aquarelle, donc il y a des bouts plus foncés, des bouts plus dilués, mettons. Fait que voilà le premier rayon. Ça, c'est quand je vais trop vite. C'est simple, hein? Je pourrais faire ça pour m'amener un petit peu de gouttelettes dans la même couleur. Salut Caroline! Donc voici, j'ai commencé avec l'orange. Fait que là, c'est sûr que je veux mettre du bleu. J'ai lui qui est bleu foncé. Puis j'ai Time Traveler. Je pense que je vais prendre lui. Là, j'en fais, ça donne de même, mais... Bon, je l'ai même pas. Attends, oui, c'est là. Bon. Je vais y mettre un petit turquoise à côté. Si vous avez des questions, vous les posez en même temps. Fait que j'ai mon même pinceau pour mettre de l'eau au départ. Puis, je vais travailler de la même façon avec le spray. Fait que le but, c'est d'imbiber notre papier où on veut. J'aurais pu pas faire de marque... voyons, de marque... à le, voyons, je vais y arriver au crayon plomb. Mais moi, ça m'aide à bien suivre. Voilà. Fait que là, on... Puis, tu sais, je dépasse parce que je suis pas parfaite. Parce que je vais plus vite. Salut, Corinne! C'est quand même assez simple, là. Puis là... Fait que, tu sais, je nettoie tout le temps mon aquapenteur. J'utilise pas beaucoup d'eau. Je fais beaucoup de dégâts. Fait que là, on va faire le prochain. Je vais le faire... mauve. Tiens, je vais utiliser celui-là. Je vais venir faire celui-là. Fait que là, c'est un spray que j'utilise. Mais en premier, je vais faire la même affaire. Je vais venir mettre de l'eau. Entendez-vous Cassiopée qui fait la tannante? Salut Caroline, Beaulieu. Fait que là, à date, c'est pas compliqué, hein, comment je travaille. Si on déborderait, là, des lignes, ça ferait encore plus un effet, tu sais, comme là que j'ai fait. Ça fait un effet aquarelle qui est super beau aussi. Je vais aller, voyons. Je vais aller l'utiliser comme le Magicarn. Mais, tu sais, je pourrais en mettre dans un petit pot, mais j'aime mieux pas trop gaspiller. Ça fait quasiment rose. Je vais t'y en mettre un peu plus. C'est supposé être mauve. Je suis déçue. C'est pas
pas grave, on va aller se trouver du petit mauve dans mes magicals. Fait que... Encore une fois, je viens faire une petite gouttelette. Non, c'est un papier aquarellable, donc non, pas besoin de gesso. Le but, c'est de que ça fasse cet effet-là sur le papier. Puis en le faisant un après l'autre, ben ça fonctionne que... Voyons. Ça fonctionne que ça sèche. Bon, je vais prendre l'autre truc pour le rose. Je veux mettre du mauve. Ça avait pas de l'air d'avoir fait du mauve. Fait que là, on va le faire au Magical. Je vous dirais que j'aime mieux travailler avec les Magical. Ça se travaille mieux en aquarelle qu'en spray. Mais tiens, en fait, le spray, c'est ça, hein, qui est. C'est le Magical. C'est de la poudre à pigments. Puis c'est dilué avec de l'eau. Ça fait nos sprays. C'est juste qu'il est déjà dilué. Fait que. Ça se travaille moins bien. Voilà. Donc, Urban Amethyst, celles-là qui ont plein de poudre, là, ça, c'est les poudres Lindy, mais vous pourriez prendre n'importe quelle autre poudre, puis ça fonctionnerait. C'est sûr que ça dépend, là. Il y en a qui sont moins colorés, il y en a qui ont plus de teinte de brune, là, fait qu'il faut aller s'amuser. Ah, voilà! Ça, c'est mauve! Ça en est une couleur flat dans le néon. Donc, flat, ça veut dire quand vous voyez ça chez Lindy, c'est qu'il n'y a pas de... Je vais tirer quelque chose à faire. C'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de brillance. Il est beau, hein, ce mauve-là? En tout cas, moi, je l'aime bien, vous autres. Voilà, pour celui-ci. Là, hein, c'est important hein, de tout reboucher parce que sinon, on en retrouve partout. Je me mets ça en ordre devant moi. Ça va être le prochain, un verre. Je vais en mettre ici. Je vais l'alterner pour que ça sèche. Ils sont quand même... Oups! J'ai mal... Pas grave. C'est pas grave quand on va mettre le verre. Ça paraît trop. Je vais y aller quand même avec un verre foncé. Oui, pas de problème. Oui, le mauve, je capote sur le mauve. Oui. Ah, merci. C'est gentil pour le mauve. J'y fais dire merci. Donc, je fais la même chose. Je prends le spray, la couleur, ce que c'est Sia Mint Green. Puis là, je viens m'amuser avec. C'est sûr que je vais venir m'en mettre un peu plus ici pour essayer de gérer mon débordement. Comme je disais, quand on travaille l'aquarelle, c'est beau quand ça déborde, mais pas partout. Voilà. T'as hâte d'avoir lequel, toi? Crée Vicky. Vicky. Vicky, elle voudrait tous les produits Lindy. Je sais pas si ça en appelle d'été. C'est une belle équipe créative, ça. J'ai adoré. Moi, je vais y aller avec quand même un bleu foncé. Oups. J'ai dit que je voulais switcher, mais j'ai de l'espace encore. Fait que je vais y aller ici.
pas grave, la photo va être là. Mais c'est là le danger quand on est trop proche puis quand on joue trop avec de l'eau. Celui-là, c'est Tinted Love Teal. Désolée pour mon English, not always good. Oui, je l'ai reçu. Salut Sarah! Oui, j'ai tout reçu, Vicky. Puis dans le fond, là, si vous en voulez des Lindy, je vais en commander aux alentours du 15 juin aussi. Là, où... Donc, n'hésitez pas à m'en demander, ça va me faire plaisir. Je sais aussi que celle qui sont à Montréal présentement, Pépère, elle a fait Cassiopée, j'ai comme le goût de ça, pas mauve. Pépère, Annie, dans le fond, elle a fait un... Je pense un live ce matin par rapport à ceux-là, au Lindy, puis ils ont fait une PO. Fait que ceux qui sont là-bas aussi, vous pouvez commander parce que des fois, le shipping de Québec, c'est moins trippant. Mais bon. Donc, voilà pour le bleu. Je me souviens un peu. Quand on joue avec de l'eau, hein, c'est plus dur. Celui-là, je vais y aller dans le rouge. Là, je dis que j'aime mieux travailler les... les Magical, mais finalement, je m'énerve avec l'esprit. J'aurais pu utiliser, tu sais, comme ça. Puis, venir faire mon... directement. Si vous n'avez pas de pinceau et vous ne voulez pas le nettoyer à tout bout de champ, ça se vit quand même bien sur l'aquarelle. Mais quand on est Cindy et qu'on n'est pas pointilleuse, on déborde. Hein? Yeah! Oups! Fail! Mais bon, au moins je vous montre de quelle façon on peut les utiliser. Le rouge, hein? J'aurais peut-être pas dû faire ça avec le rouge. Moi, Miss Crinqueuil. Mais bon, je vais y aller avec un beau jaune. Tu sais, moi qui adore le jaune. Le jaune, c'est pineapple. On va y aller ici, là. On va changer de côté un peu. Là, c'est pour ça que j'avais étampé avant. Comme ça, ben, ça vient pas jouer. Ça a le temps de sécher. Salut, Lynn! Fait qu'on est capable de bien s'amuser. Bon, Cassie la peste. Je vous le dis, si la page est lettre, c'est parce que Cassie, elle va avoir été tout le temps dedans. Il est beau jaune-là, finalement. Moi qui déteste le jaune. Bon. Oups. Ça va faire un vert parce que j'avais mal nettoyé mon pinceau. Je te dis. Ce que j'aime, là, je vais quand même vite parce que j'aime ça que ça dépasse un peu. Puis que... C'est con. Ça y est, le chat, t'étonnante. Tchou, tchou. Ouais. Tu veux nous jaser ça, putain? C'est dur de faire des lives avec Cassiopée. donc, j'y vais. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. J'ai mis du rouge. Je vais y aller avec un... Non. Je vais y aller avec un verre un petit peu plus coloré. Elle est où ma photo? Bon, désolé le chien. Je sais pas qu'est-ce que mon chum y fait, mais clairement, ça ne t'en occupe pas. Désolé. Mon voisin, je pense qu'il avait hâte à la fin du confinement. Fait qu'il y a tout le temps du monde chez mes voisins en ce moment.
Fait que c'est pour ça que mes chiens capotent. Tu veux... Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Reste ici, Vicky. Cassie, c'est ma peste préférée. Là, moi, on n'en vient pas à bout de... d'accoucher. Fait que, est-elle enceinte? Elle ne sait pas. Mais... Yeah! On va le savoir du... Tu sais, peut-être qu'à mon prochain live, je vais vous dire qu'elle a accouché. Peut-être pas. Peut-être. Bon, donc, jaune, j'essaie de voir un petit peu de... Oh. Tu gosses! Ici, ça, c'est moins, non? Essayez de me trouver un autre orange. Celle-là, c'est-tu le même? Non. Je vais prendre Orange Cream Side. Comme ça, ça va faire un petit peu d'orange pour aller avec la photo. Qu'est-ce que vous en pensez? L'avez-vous fait, vous autres, le défi Limstrong? Y est-tu fini? Y est-tu fait? Oh, Seigneur, je commence à être baveuse sur mes couleurs. Pas grave dans le milieu parce que il y en aura moins. Parce qu'il y a la photo qui va aller là. La plupart on l'avait faite, hein? Oui, c'est celle-là. Oui, j'ai vu Amélie, mais semble j'ai vu ta page. De souvenirs. Oui, vous vous rendrez bien compte que j'ai fait tout le temps dans la dernière minute. Comme d'ailleurs toute ma vie. Ça fait partie de mon charme. Bon, on va-tu y aller avec un turquoise? Tu es long, toi, là. Puis, je vais y aller avec... Je vais y aller avec le bout, comme ça, ça va moins épuiser mon truc. Fait que là, faut qu'il y aille... Il va y avoir assez de couleurs en masse. La photo est humoristique. Hey, le chat! Oh, sérieux, tu peux-tu être tannante, toi? Elle veut jouer. Oh non... Avez joué, ma guidoune. Voilà! Non, pas eu le temps. Ça s'en vient. C'est long, hein, par exemple, mon processus. Désolée. Tiens, je vais juste me mettre ça dans l'ordre parce que si j'ai à refaire des retouches, ça sera là. Sérieux, tu comprends pas vite, la vieille? Voilà. Je vais mettre un petit rose. Bon, mon eau commence à être beaucoup trop colorée. Je vais mettre ce petit rose-là. Désolée, hein? Je sais pas ce que mon chum fait, mais il est peut-être dans le spa. Il a décidé d'y aller sans moi. Peut-être. Il s'est dit enfin, je suis tranquille. Ma blonde n'est pas là. Voilà. Donc, deux dernières couleurs. Je vais prendre un bleu. Ouais. Ici, ça va être un bleu, j'ai ça. Ouais, vraiment tannant.
Asseoir est comme vraiment angoissante. Mais surtout, surtout que je travaille avec l'eau. Tu sais, le temps que je fasse mon montage à côté, puis que ça sèche, ça va être pas si pire. Mais elle est clairement fatiguante. Désolée. Ouh! Je l'aime, ce bleu-là! Entendez-vous ça en arrière? Mon petit mâle, il veut une petite femme. Oups! Donc, dernière couleur, qu'est-ce qui fitrait le plus dans mes couleurs? Orange, il y en a assez. Vert aussi. Un autre jaune. Ben oui, toi, j'ai décidé de mettre du jaune encore. Le bleu que je viens de mettre, c'est le Caribbean Blue. Il est dans le kit de Caribbean Cues. Tu l'as, mais ça, où il est pas arrivé? En tout cas, bref. Il est malade, ce bleu-là. Donc, j'ai dit qu'on mettait du jaune. À l'autre jaune, hein? Il n'y a pas une grosse différence. Voilà! Donc, ce que je vais faire, je vais tasser ma page, nettoyer un petit peu, puis après ça, on va faire le montage photo. Ça aurait été écœurant, par exemple, avec Yann. Hein? Beaucoup plus beau que le chat. Regardez comment c'était écœurant. Oh boy, ça se peut changer d'idée. Ça se peut qu'Yann prenne le dessus. Bon, je mets ça de côté que ça sèche. Je sais pas où d'ailleurs parce que le chat m'a embarqué dessus. Ah, oh, là. Voilà, je vais juste passer un petit linge pour changer le tout. Après ça, ah! Avouez qu'avec Yann, puis Yann, c'est très humoristique pour celles qui me connaissent, là. Parce que je l'ai partout. Ça passerait, Yann, hein, les filles. Je trouve que ça... Alors, Cassie, tu m'énerves. Je trouve que ça fitrait plus avec Yann, mais c'est pas grave. Je vais aller... Je vais nettoyer, là, parce que j'en ai partout. Puis après ça, on va aller se trouver... beau papier punch. Et hier, là, je me suis gâtée. Je suis allée faire une commande... Je sais pas si vous connaissez AB Studio, mais pourquoi tu le trouves drôle? Parce qu'en fait, Yann, ça fait des années que j'en parle, que c'est mon faux chum. Fait que pour les filles qui me connaissent, ben c'est pour ça que c'est humoristique. Puis Yannick le connaît très, Yannick le connaît très bien. Bon, je suis juste allée changer mon eau parce qu'elle était beurrée d'aplomb. Fait que voilà. Voilà, fait que c'est juste pour ça que je le trouve drôle, gang. Fait que je trouve que Yann fitrait. Oh, mais il est tellement beau. Mais mon chum mesure 5 et 2, hein, fait que moi, j'aime les petits mini. J'ai toujours aimé. Mais d'habitude, j'aime avec des cheveux comme Yann. Mon chum, il n'y en a pas. Bon, ben, c'est pas grave. Voilà. Fait que là... Mettons qu'on prend pas Yann, mais mettons que je vais aller me chercher un papier coloré. Mais ce que je disais, c'est que je me suis gâtée avec les papiers AB Studio. C'est juste wow. C'est juste wow. Les connaissez-vous, ces papiers-là? Si vous les connaissez, dites-moi donc si c'était wow pour vous aussi pendant que je me choisis une collection de papiers dans ici. Très coloré, hein? Très
J'ai une vieille collection de Beau Bonnie, mais qui fitrait au bout. Au moins, non, je vais en mettre juste une photo. J'aime moins ça. Je vais vous les montrer quand je vais recevoir ma... En fait, j'ai vraiment acheté beaucoup de papier. Ils vendent des stencils, ils vendent des chipboards. C'est sûr que j'en ai beaucoup de fabricants décorés, fait que je voulais comme pas trop abuser. Mais tu sais, l'abus, c'est assez bon là-dedans. Fait que c'est ça. Bon. Je pense que je vais prendre ces papiers-là. Fond blanc, c'est fait. Plein de couleurs, c'est fait. Je vais checker in, OK? Une blague, je sais pas. Photo drôle, c'est correct. Smiley, je l'ai pas. Page d'un livre, je vais me mettre ça de côté. Celle-là ou celle-là? Celle-là est plus jaune. Voilà. Page d'un livre, puis 3 étoiles. Fait que là... Puis mon étampe de smiley, je l'ai-tu mis de côté hier, avant-hier? Je le sais. Je le sais plus, je vais vous trouver ça. Ça sera pas long. Petit chat, hein? C'est petit, cet enfant. C'est comme si j'en avais pas assez, des étampes. Je vais me trouver ça, puis en vous regardant. Salut, Bibiane! Oui, il n'y a pas de problème, Amélie, tu peux faire des blagues. Regardez, ça, c'est ma collection. Tu sais, la collection lettres qu'on riait. Ben, lettres. Hey boy, hein? Jannick, pardonne-moi si j'ai montré ceci. Cherche, bon, c'est ça, cherchais les smileys, des étoiles qu'on a dit. Mais ça se peut que je prenne. Faut que ça soit un journaling humoristique. Attendez. Il y a sûrement une farce, la tête dans les étoiles, peut-être. C'est humoristique, ça? Je pense que oui. Trouvez-vous ça humoristique, la tête dans les étoiles? Bon. C'est une belle journée pour avoir une belle journée. Bon. Ça fit moins avec Yann. Je pense que ça va être Yann, hein? Puis la tête dans les étoiles. Oh oui. Ouais, ça va être Yann, il fit plus. Les belles choses ne sont jamais parfaites. Oh, Yann est parfait, fait qu'on peut pas. Ça disait pas à la main, journaling, mais semble que non. Attendez, qui veut aller me checker ça? J'écrirai une blague, mais non, c'est écrit faire une blague dans le journaling, mais me semble pas à la main. Je peux pas y checker parce que ma photo est sur mon cell. Je peux y dire je pense à toi, mais ensemble, c'est tout. Bonne fête, ça va être non. Tu me rends heureuse. En tout cas, bref. Oui, quoi? Il est écrit à la main? Maudit tournoi. J'écrirai de quoi à la main? J'écrirai la même phrase, d'abord. Donc, voilà. Puis là, je voulais me trouver des chipbones. Une blague en journaling. Mais oui. Mais le journaling, ça veut pas dire qu'il est obligé d'être à la main, gang. Où est-ce que vous avez compris à la main? Des stores? C'est ça que ça nous prend. Smiley, étoile, page d'un livre. Blague, journaling. C'est pas obligé d'être à la main? Parce que vous voyez le mot journaling? Et moi, vous m'assinez, hein? Vous me connaissez. Où j'écris âme sœur. Bon. J'ai beaucoup trop. Peut-être les petits mots.
adorable. Bon. Ouais, moi, journaling, ça veut pas dire que ça, c'est des mots de Saint-Valentin, ça serait drôle. On apprivoise. Pas les chansons. Je frissonne peut-être. Quoi? Bon, le tri est pas mal fait. Rappelez-moi que j'ai trop de produits quand je veux commander. Bon. Pour les laisser aller, comment? Bon, voici les trucs que je vais ajouter après. Ça, c'est peut-être le journaling. Ça. Et ça, et ça. Bon, voilà. On va mater la photo pour commencer. Ça va être bonsoir, Yanis. Hey, Yanis, c'est qui ça? Salut, Yanis. C'est sûr que Yanis, c'est un Tunisien ou quelque chose qui veut me marier. Je suis déjà en couple, mon petit cœur, fait que sorry. Mais tu peux appeler mon agent, si tu veux. Donc, je voyais qu'il fallait des... Je vais mettre ça à côté. Ça a l'air d'avoir séché quand même un peu. Je vais y aller quand même dans les mêmes couleurs. Faut pas que ça soit trop punché, mais celle-là, c'est quand même bien. Celle-là aussi. En as-tu vraiment besoin? C'est la phrase. Yann! Yann, j'en ai toujours besoin. J'ai besoin de tout ça. Papillon, Oh! Oh, c'est... Puis j'y vais-tu dans l'orange de même? Oh, j'aime bien lui, moi. Bon, voilà. Oh, peut-être lui. Bon. C'est parti, mon kiki. On verra, rendu là, qu'est-ce qu'on fera? Ah, pour mes achats! Non, non, je n'ai jamais vraiment besoin. Et on gagne. Depuis quand qu'on a besoin d'acheter autant? Jamais! Mais savez-vous quoi? Ça nous fait tellement plaisir, là. Puis j'imagine que les boutiques, là, ils ont eu énormément de commandes parce que c'était fou. Durant le COVID. Là, ça commence à se déconfiner. Puis les filles, ils doivent avoir moins de commandes, là, mais ça devait être fou, fou, fou. Et là, si. J'ai une toune dans la tête, hein? Ah oui, écoute, il n'y a pas de... En fait, dans la vie, on n'a quasiment pas besoin de rien. Mais on se lâche lousse à en acheter. Bon, ces deux-là, ça va être à couper. Là, vous savez, moi, j'en coupe du papier dans une pêche. C'est correct, durant ce temps-là, ça a le temps de sécher. Avez-vous vu la subtile Cassie? Tiens. J'ai trop coupé celle-là, moi, je pense. On a pris les choses sauvages.
On va brocher ça parce que c'est beau. Comme c'est là. Hey. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie, brocher les feuilles. Moi, Cassie est tout le temps là. Ça manque de petits mauves. Ou de jaune. Voilà, j'aime mieux ça de cette façon-là. Désolée. Ouais, là, elle est allée sur le bord de la fenêtre, comme ça. Elle est moins tannante, la bidoune. Je vais sécher un petit peu ça. Je suis pas sûre que je vais l'aimer, hein. Il est quelle heure, gang? J'ai enlevé ma montre encore une fois. Ça fait juste une horreur. On n'est pas si pire. J'avais des étoiles comme ça, puis j'avais d'autres choses en chipboard. Non. Je pense que je vais y aller avec ces étoiles-là parce que. Ah. On en prend trois, hein, qui est écrit. Trois étoiles. Wouhou! Page d'un livre. Wouhou! La blague, on va la trouver. Tous ensemble. Puis les étoiles, on peut... Je peux en mettre un peu plus. Donc, j'aime ça. Ennemi 29, 28, c'est correct. Il me reste une demi-heure pour la finir. C'est pas si pire. D'habitude, là, une heure et demie de live, c'est en masse. Adorable que j'aimais. Sinon, ça, c'est des stickers. Est-ce que je prends la tête dans les étoiles? Est-ce que je prends tu me rends ensemble? Tu me rends heureuse ensemble, c'est tout. Moi, je trouve que ça, c'est beau aussi. Hein? Allons-y, ça, je vais les poser après. Qu'est-ce que... Je me suis brûlée! Colin. J'ai brûlé la face à Yann. Ah, faut que je mette les smileys aussi. On va les ajouter après. Donc, voilà. Ici, c'est sec. Salut Anne-Sophie!
Ouais. Fait que là, moi, journaling, là. Une étampe, c'est du beau journaling. Je vais prendre la Versafine. Plus, hey, je me suis beurré le doigt. Vicky, toi qui es venue là, dans ma salle, c'est le bordel. Je trouve plus mes affaires. Peut-être que Vicky m'les a volées. Vicky, c'est toi qui les as volées? Je vais prendre mon vieux bloc. Ouais. Regardez, je pense que je me rends heureuse. Ensemble, c'est tout. Puis la tête dans les étoiles. Je vais mettre les trois. Mon bloc acrylique. Je fais des blagues. C'est sûr que je l'ai caché quelque part. Bon. J'aurais mis ça, mon petit bloc acrylique. Ça va mieux. Mais c'est Vicky qui est partie avec. J'ai trouvé, Vicky l'a pas volé. J'en ai plein, là. C'est juste que je suis pas à l'ordre, gang. Bon. Je vais prendre la Versafine pour que ça fasse plus noir. Voilà. Je sais que tu n'as pas touché, Vicky. Je fais des blagues, hein. J'accuse personne de vol. Voilà. Oh, j'aime ça. Bon. Fait qu'il va nous rester les smileys, gang. J'aimerais ça que quelqu'un ramasse mon atelier. À ma place. Tu me rends heureuse. Pauvre Yann. S'il écouterait toutes mes déboires depuis des années, hein, il capoterait même. Oh, dans le mauve, hein, ça fait moins beau. Faut pas que Cassiope aille jouer dans les affaires. D'habitude, je les laisse tout le temps. Je les laisse tout le temps ensemble. Mes trucs de temps, je prends jamais des blocs acryliques, mais là, on n'avait pas le choix. Parce que je veux vraiment que le titre soit bien. Cassiope, tu es désagréable. Ça gagne. Fait qu'à date, c'est pas si pire. Il me reste les petits smileys à mettre. Encore une fois, Vicky, tu l'as mis où? Je fais des blagues. Je vais mettre quelques smileys. Puis, à date, tout est dedans. Il me manque juste les étoiles. Mais il y en a trois là, fait qu'on est correct. On est correct pour les smileys. Aviez-vous trouvé l'énigme? Je sais pas, hein. Tiens. J'ai fait un petit... Oh non, j'ai beurré. Tiens. On va camoufler. Puis, celui-ci. C'est ça que j'aime moins avec la Versafine. On beurre le tout. Des fois. Tiens. Il y a assez de smiley là-dedans. Pour moi. Puis, tiens.
ceux qui me connaissent, là, ils savent que j'abuse du LOL. Salut Joanne, fais du ménage. Faudrait que je fasse du ménage, mais non. Bon, c'est assez les étampes, hein? Je vais le laisser de côté. Je sais pas si je prends... Cassiopée s'en vient en douce dans mes étampes, en plus. Je sais pas si je prends les étampes qui sont là ou... Je pense que ça serait beau, ça. Dedans aussi, qu'on en ajoute. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je vais l'aimer, ma page. Je pense. Je ne suis pas sûre encore. Oh, j'ai un chat qui vient de m'attaquer. Tiens. Est-ce que quelqu'un trouve que mes pages manquent de produits Lime Citron? Vous m'en parlerez. J'en commanderai des nouveaux. C'est une bonne idée, ça. Voilà. Ici. Bon. Là, vous pouvez me répondre. Là, cette semaine, là, j'ai une coupe. Ah, j'aime moins ça, là. Pas grave. J'ai une coupe de massage. Donc, ça va peut-être être dur. Ça va peut-être être dur de faire des lives, mais je vais essayer d'en faire pareil. Donc, je vais y rajouter un petit peu d'étoiles. C'est une question d'être brillant. Faut qu'il soit brillant, c'est Yann. Mes étoiles, c'est de la mousse avec des dailles. Mais là, c'est ça. C'est ça, découpe? C'est des découpes? Tu vas pas mettre ta poule. Hein, ça serait vraiment drôle. Ta poule, il met dessus, hein? Elle va maillir. Je sais pas si elle va écouter mes lives. Tu sais, si elle l'avait écouté, ça aurait été parfait, là. Ça aurait été drôle en maudit, mais le fait qu'elle les écoute peut-être pas, elle comprendra pas la poule, hein? Ce kit-là, là, le kit détente, je sais pas si elle le vend encore, il est malade. Il est vraiment trippant. Puis, je m'amuse vraiment. Hein? Bon, ça y est, mon chum vient de se réveiller, je pense. Il descend d'un pas ferme, chicané. Mon chum, il n'y a aucune fibre de chicane. Fait que, salut Cynthia! De la merde, comme toujours. Comme toujours. T'as-tu vu? Chérie, regarde. C'est le gars avec qui je vais te tromper dans la vie que je suis en train de faire. T'es-tu prêt à accepter? Il répond pas, hein? Sans la présence de son avocat. Oups! Il ne répondra pas. Fred? Oui? Ça te dérange-tu que je te trompe avec Yann? Yann Somerhalder? C'est le journal d'un vampire. C'est pas un livre, ça? C'est pas un livre. Tu vois comment... Je pourrais dire n'importe quoi. Non, c'est pas un livre. C'est une émission pour ados qui est terminée. Mais moi, je suis en deuil. Bon. Ça fera tout ça. Madame Amélie, tu m'avais donné ça que je vais ajouter dessus.
Le petit brillant. Oups. Rouve. Salut, Gisèle. Netflix. Ah, moi, mon chum. Il est sur Netflix, Journal de vampire. Oh boy. Chérie, on écoute Netflix ce soir. Qu'est-ce qu'il y a, Netflix? Ben, Journal de vampire. Non, laissez faire. Je pense qu'il ralentit le groupe. Hein? Amélie, est-ce que tu pourrais m'en refaire d'autres? Ils sont trop belles. Je mets pas les autres couleurs, faites moins. Tiens. Yes! C'est beau, hein? Hey. Crime, t'es patiente, Amélie. Fais-moi en plein. Moi, le turquoise, il est comme pas la même couleur, puis or non plus. Fait que c'est pour ça que je ne l'aimais pas. J'ai-tu du temps encore, gang? Là, je suis dans mes mots photos. Tu me rends dans la tête d'un minute, tu me rends ensemble, c'est tout. Quand rien n'est prévu, ça fit. Ah non, je veux la poule, la poule. Pour vrai, tu veux pas la poule, là? Je peux t'en faire sur un papier si tu veux. Mais non, là. Yannick, pas sûr qu'elle veut revoir sa poule. Oups, j'ai collé ça. Bon, ça, je vais fermer ça avant de faire un accident. Magie! OK, hey, je me trouve drôle avec mes niaiseries. Hein? Magie unique. Oui, oui, c'est celle-là. Oui, les noirs sont malades, sérieux. Wow! Oui, c'est cette colle-là, Lorraine. Je t'en ai mis une de côté. Puis j'en ai commandé beaucoup là chez Fabrica Décoru. Puis celle qui en veut, là, elle se détaille à 6,50 $. Est quand même chère, mais jamais je m'en passerai. Puis à cette heure, c'est les nouveaux... C'est les nouveaux pots comme moi, là. Fait que, comme celle-là. Là. Pas comme les anciens qui allaient vraiment mal. Ceux-là, ils vont vraiment bien. Fait que, il n'y a plus de danger. L'autre pot qu'on a, là, est un peu moins cher. Je ne me rappelle plus le prix, mais c'est celle-là professionnelle. Ben, ça, c'est pour mettre, mettons, faux albums et tout ça. C'est de la colle blanche, là. J'en ai aussi. Elle est un peu moins cher, mais moi, je travaille bien avec celle-là. On va-tu faire des petites gouttelettes? On va juste tasser le tout. Puis mes petites gouttelettes, il me semble que j'ai vu un noir là-dedans. Ah. On va aller faire ça. Cassie! Merci. Hey, wow! Je l'aime ma page, pour vrai. J'aime moins mon chat, par exemple. Hein? Attends, je vais y barrer la face un peu sur le côté. Ça, je l'ai fait avec un crayon que j'ai, que ça fait longtemps. Sinon, vous pouvez prendre un gel à taux. Ça fait la job. Je suis encore en retard, là. Il est-tu 9 h? Salut, Maryse! Il est-tu rendu 9 h? Fred, il est quelle heure? Mon chum ne m'entend plus. Il est fâché parce que j'y ai parlé d'Yann. Non, il n'est pas fâché. Je l'aime ma page finalement. Hein? Sketch que j'aimais pas, mais que finalement j'aime la page. C'est quand même trippant. Attendez, je vais aller chercher mon petit pot. Pour mes gouttelettes. Je vais te cacher la face. Caline, ce que j'ai sacré. Elle est en ordre, ma chatonne.
Ah, on a du temps. Excusez, j'ai accroché la caméra. D'habitude, je prends un gros pinceau, mais là, je veux comme des plus petites gouttelettes. Oups! Mon pinceau était mal nettoyé. Attendez. Ça vaut la peine de faire des tests avant, hein? Oh. Y a-t-il quelqu'un qui a vu Cassiope? Diane, je t'ai pas écrit. Il y a une couple d'affaires qui est arrivée, mais il te manque Fabrica. Donc. Bon, ça va-tu être rouge, là? Non. Donc, dès que ça arrive, je te le dis. Ouh, là, c'est ça qu'on veut. Mais là, le chat, là, mange pas ça. Elle était particulièrement gossante. Oui, je sais, cassie. Mais c'est pas vrai, juste à Nantes, là, en ce moment. Donc, j'y vais avec des gouttelettes. Mais plus petites que l'habitude. Hey! Casse-toi, le chat! Ceux qui me demandent si les Bengals, c'est tannant. Ben, vous avez un parfait exemple d'un bébé tannante. D'une bébé tannante. Hein? Oh, OK. Ouais, on va... Gardez ça, la peste. Gardez ça, la peste. Voilà. Alors, voilà ma page. Elle est terminée. Pensez-vous que ça vaut la peine de la publier? Je pense que oui. Hein? Je pense que j'ai respecté le défi de Lime Citron. Donc, ça me fait plaisir de vous montrer ce qu'on peut faire avec les Lindy. Écoutez, il y a plein de choses qu'on peut faire. Là, j'ai eu le goût de m'amuser de cette façon-là. C'est ça, le sketch. Mais c'est ça. Fait que... N'hésitez pas, puis je trouve que Yann, il fit, hein, gang? Ça fit-tu avec moi? Oh oui! Puis si c'était en journaling, puis fallait que j'écrive en main, ben je perdrais des points. Mais bon, alors, si vous voulez Fabrica 15 juin, Lindy, ou le fournisseur, vous m'écrivez en privé, ça me fait plaisir. Il me reste 8 cases pour le crédit en magasin. J'ai ajouté hier des poudres embossées, des sprays, des papiers vélins, un peu dans ma boutique. Il me reste des kits. J'attends ma Fabrica décorée. J'ai vraiment beaucoup de choses qui s'en viennent. Puis il me reste deux cols professionnels, mais je sais pas le prix. Fait que voilà! Fait que un gros merci, gang! Puis au moins, ça vous a fait un petit tuto comment faire une page colorée. Alors, voilà, un gros merci. Puis cette semaine, je vais revenir, mais je sais pas quand. Je vais vous le dire dans la journée quand ça va... Quand ça va se libérer, qu'est-ce que vous en pensez? Bonne nuit, hein, ça? Salut! Bon dimanche soir! Ma boutique, je vais t'envoyer le lien, ma belle Anne-Sophie. Ça m'a fait plaisir. Puis Amélie, t'as pas trop parlé. Yes. C'est moi qui ai parlé tout le long. Mais je suis plus tranquille hein, quand Vicky est pas là. Ah! Fait que Anne-Sophie, laisse-moi t'écrire pour ma boutique en ligne. Bye bye!